expérience. Nous voilà au moment tant attendu par tout le monde, l'instant fatidique de la soirée. Nous allons finalement découvrir qui est le PSA d'or, celui qui partira avec cette parcelle d'une valeur de 5 millions de francs CFA, sécurisée et viabilisée, offerte par Jessia Bena, partenaire Gold. Mesdames et messieurs, on va inviter la régie à nous passer l'élément annonciateur de la catégorie du PSA d'or. Catégorie BSA d'or, c'est l'acte final de la soirée. Et comme au départ, je vais inviter la co-présentatrice qui m'a accompagné tout au long de cette soirée à me rejoindre sur scène. Et ensemble, nous allons inviter le président du jury. Mais en attendant, Fontenel, merci de me rejoindre. Nous voilà au clou de cette cérémonie où nous allons connaître celui-là qui repartira avec la parcelle d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Sécurisé, viabilisé, s'il vous plaît. Et ça porte la signature de Jessia Bena. Pour cela, il faut qu'on écoute dans son costume et dans son manteau de président du jury, et bien-aimé, que j'aime appeler affectueusement Tonton Gourou, Gogoï Akoyon Prosper. Merci, s'il vous plaît, de l'ovationner très chaleureusement. Je sais que vous êtes pressés. Oui, c'est vous vrai. Êtes fatigués c'est, également. C'est vrai, ils sont pressés parce qu'on a passé des moments élastiques. Et c'est vrai, c'est pas facile hein, quand on est président du jury d'une histoire comme ça. Mais rassurez-vous, c'est celui qui mérite, qui va prendre tout à l'heure, vous allez le constater. Mais ce que nous avons constaté au niveau du jury, c'est que les fans n'ont pas souvent compris qu'il faut, quand on dit on est fan, c'est eux en fait qu'on a voulu qu'ils donnent le prix aux artistes. C'est pour ça que dans nos critères, la volonté, nous, notre influence, l'influence de jury sur le quota n'est que 30%. Donc, quelle que soit notre volonté de faire l'amitié, ça ne passera pas. Donc, les 70%, c'est pas les votes, c'est pas les fonds en réalité. Donc, je vais demander aux artistes de travailler, de discuter souvent avec les fonds. Quand ils sont en challenge, quand ils sont en compétition, ils n'ont qu'à comprendre que c'est eux qui pourront peser dans les histoires de vote pour qu'ils gagnent. Le tout ne suffit pas pour dire j'aime de faire je ne sais pas de faire des coucous à l'artiste pendant qu'on n'est pas capable d'aller acheter ce que l'artiste fait, parce que c'est la seule façon de témoigner à l'artiste son attachement et ses amitiés. Donc prochainement, priez vos artistes de peser dans la balance. Donc, je ne vais pas trop tarder. Merci de rester avec nous. Nous allons inviter à présent le PDG de Jessia Bena. Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. La société qui offre la parcelle d'une valeur de 5 millions de francs CFA, n'est-ce pas?
Il faut rappeler que c'est sécurisé et viabilisé, très important. La précision est très importante. Ah oui. Ce que j'apprécie chez ce monsieur, non seulement il a la taille, mais c'est un mannequin. Quand il envoie le jeu de jambes, vous êtes d'accord. On va inviter le commissaire général des Benin Showbiz Awards également à nous rejoindre. C'est le moment fatidique. Et c'est ensemble, à trois, que je vais leur remettre l'enveloppe pour qu'eux-mêmes, de par leur bouche... Merci de l'ovationner, s'il vous plaît. Il est déjà là. Même si vous ne l'ovationnez pas, il est déjà là. Non. Monsieur le commissaire, mettez-vous au milieu des deux. Ah, bon. Je remets en vos mains le sort. On va y aller doucement, doucement. Grand frère, il danse. Tu vas croire que c'est lui qui veut prendre la parcelle, alors que c'est lui qui donne. Moment crucial. Enfin, je connais le BSA d'or. Lauréat de la catégorie 1, BSA d'or. 3. Troisième, oui. TIAF, avec un pourcentage de 13,21%. Deuxième, Chris Bar, avec un pourcentage de 19,86%. Et le premier... Doucement. Doucement. Parce que les PDG là, ils disent des choses vraiment. On va garder un peu le suspense. Envoyez encore l'élément là. Quoi. Voilà. Une fois encore, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, le BSA d'or de cette année part avec une parcelle de 5 millions. Je sais que vous le savez, c'est juste pour vous emmerder quelques secondes. Finalement, on va avoir le nom. Le BSA d'or, c'est ma femme. Ça peut être votre femme. Elle-même a des parcelles, on sait. Mais votre femme n'est pas artiste. Voilà. Alors, le BSA d'or, le premier, que je vais appeler avec honneur. Félicitations, d'ailleurs. GG Lapino. GG Lapino, le BSA d'or. Pourcentage de 41,58%. GG Lapino est donc le BSA d'or de cette année. Exceptionnel. Il est le vainqueur de cette année des BSA d'or édition 2021. Le lion blanc, Kini Kini Wewe, GG Lapino, avec le titre Kini Kini Koko, qui a fait le tour de tout le Bénin. Et repart donc avec une parcelle d'une valeur de 5 millions de francs CFA offerts par Gessia. Et là, il est célébré par ses pères. Merci de le laisser nous rejoindre. Je sais que vous êtes contents. Vous êtes heureux. Et je vais inviter le staff, tout le staff de Jessie Abénin à nous rejoindre. Tout le staff de Jessie Abénin à nous rejoindre. Pendant que le lion blanc est en train de venir.
Le lion blanc, il est qui le deuxième position. Fred s'impose, le champion. Nous allons inviter tous les stars de Jessie Amada. Moment spécial, moment exceptionnel. Vous pouvez comprendre pourquoi l'estrade est remplie du coup. Tout le staff est présent. Tout le staff de Jessie Avené est présent. Les fans, les amis, les accompagnateurs également de l'artiste Vanka. Du BSador. De cette année également sont présents. Et nous, c'est le moment où nous choisissons pour commencer par nous éclipser. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents pour le compte de cette édition. Merci d'avoir accompagné à travers le direct que vous avez suivi depuis le début de cette cérémonie jusqu'à maintenant sur les pages de Culture TV et bien évidemment de Benin Showbiz Award. Merci à toutes et à tous. L'histoire, on ne vous l'a pas contée. Vous l'avez suivi du début jusqu'à la fin. Et cette histoire s'achève sur le sacre phénoménal pour le compte des BSador 2021 de l'artiste qui a créé son univers, qui a lui a tout un arrondissement qui le soutient, qui est roi à Godemain et qui a sorti un single cette année, qui a évolué un peu partout dans le Bénin et qui est devenu banalement un hit. Je vais nommer le morceau Kini Kini Dobé et qui repart ce soir avec le BSador, avec à la clé également une parcelle sécurisée et viabilisée d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Fontenel. Gilles Chris. GG Lapino sacré ce soir, BSador. C'est tout un mérite. Tout un honneur. C'est la valorisation du travail bien fait, d'efforts fournis. Et c'est le lieu de saluer toute l'équipe qui, depuis des mois, des jours, des heures, des minutes, des secondes, est en train de travailler pour offrir ce moment qui est en train de s'achever ainsi. Merci à tous ceux qui ont accompagné. On va saluer le sponsor officiel. Move Bénin Africa. Bien sûr, on va saluer également les différents partenaires. Je vais nommer GDS qui d'ailleurs offre, Jessia, pardon, Bénin qui offre cette parcelle, GDS Training Center, Shaftel et tous ceux-là qui ont accompagné cette édition. Merci et rendez-vous. Si Dieu nous le permet, rendez-vous l'année prochaine pour pourquoi pas offrir une villa. C'était Gilles Christ Haïté alias GPP. Gilles Christ, la personnalité publique à la présentation. J'ai été assisté ce soir de la charmante Fontenel Ressou. On va inviter après GG Lapino à bien vouloir, après avoir reçu ce prix, à bien vouloir descendre ou à se rapprocher des amis de la presse pour son interview. Et voilà, tout est bien qui finit bien. Thank you.
combien?